Ouah, tout le monde très aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo breaking news à propos, on va dire, d'une teinte en fait, parce que ça se passe actuellement sur YouTube, comme vous pouvez voir, et bien dans le titre, à propos de vidéos un peu en 360 degrés, pas en 3D, à ne pas confondre spécialement là-dedans, mais en fait, c'est des vidéos qui vont permettre simplement, et bien lorsque vous allez lancer la vidéo, et bien d'avoir un accès 360, en fait panoramique, et bien pour la possibilité de voir tout autour, en fait, de là où c'est enregistré. C'est grâce à des caméras qui sont complètement professionnelles et que pour l'instant, enfin de ce que j'ai vu, où le public n'a pas vraiment encore accès, donc puis ça coûte très cher, et puis c'est sous forme 8K, dont c'est enregistré, c'est pas très important parce que de toute façon sur nos écrans qu'on a là maintenant, et bien lorsqu'on va regarder la vidéo, on peut pas la regarder enfin même là j'ai pu voir aussi la possibilité de le voir en 4K ou des choses comme ça, et c'est pas possible parce que nos écrans n'ont pas cette capacité là d'avoir 3800 pixels environ, donc après ça dépend aussi de vos écrans et tout, mais c'est vrai que bon, je trouve que 1080p et tout, c'est plutôt correct au niveau de la qualité, et puis c'est quelque chose d'assez spécifique parce que ça se passe sur YouTube comme je vous l'ai dit, et je trouve ça assez intéressant en fait. Et je crois que c'est un peu Red Bull qui a, on va dire, lancé un peu ce concept là, parce que quand on regarde, de toute façon je vais mettre en fait dans la description, eh bien une chaîne YouTube où on peut voir en fait toutes les vidéos en 360 degrés. Alors c'est assez choquant, moi personnellement ça me plaît énormément, après ça dépend aussi du contenu, mais je pense que ça peut être aussi peut-être un peu l'avenir de YouTube dans certains domaines, d'avoir un peu une vue de 360 degrés, je trouve ça très agréable. Il suffit juste, alors il y a plusieurs possibilités sur smartphone apparemment, il suffit juste d'incliner son écran pour pouvoir en fait tourner et de regarder hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que la vidéo elle tourne et vous pouvez en fait en même temps regarder à droite à gauche, vous pouvez regarder où vous voulez, et ça je trouve ça assez intéressant, même en haut et même en bas aussi hein. Mais bon, c'est voilà, c'est des choses moins intéressantes. Par exemple ils ont sorti une vidéo où quelqu'un il fait du ski, donc on peut vraiment voir la sensation de la personne avec donc une sorte de GoPro un peu qu'il a, sauf que voilà, ça c'est spécifique comme je vous l'ai dit, et on peut vraiment voir dans tous les sens et tout, et je trouve ça super bien fait. Après comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi du contenu que va vous proposer. Par exemple pour tout ce genre de contenu un peu dans le sport, haute sensation, peut-être d'autres contenus aussi, on pourra peut-être, enfin les gens pourront proposer on va dire un contenu sous 360 degrés très immersif, mais par exemple si c'est quelqu'un, un youtubeur qui fait du gaming ou du truc comme ça, on peut pas vraiment incorporer, enfin après peut-être à voir dans le temps, mais je pense pas, voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer ça en fait. Moi honnêtement ça m'a vraiment plu ce petit concept là, ça fait plaisir, et donc oui, en fait je vous ai même pas dit comment ça fonctionne. Alors vous avez, lorsque vous lancez la vidéo, en haut à gauche pour les gens qui sont sur ordinateur, et je précise bien c'est sur Chrome normalement, vous avez donc un peu comme sur Google Earth, enfin voilà, vous êtes c'est un peu ce même système là, c'est à dire que vous avez la possibilité en haut à gauche, vous avez des flèches directionnelles, c'est à dire soit vous allez à droite, soit vous allez à gauche, ou en haut en bas, ou alors vous appuyez et vous restez appuyé sur votre souris, donc sur l'écran, et puis vous tournez, et puis vous pouvez voir autour de vous. Moi franchement je vous conseille vraiment de regarder ça, parce que c'est quelque chose de nouveau qui est apparu il y a je crois 2-3 jours, ces vidéos là elles viennent, donc voilà, moi honnêtement ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est pour tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Je peux pas vraiment vous le montrer sur l'écran en fait, je vais voir si je peux éventuellement faire un petit montage et tout pour que vous voyez à peu près cette sensation là, mais voilà, c'est plus à vous de le voir par vous même et puis c'est extrêmement rapide, le lien sera dans la description. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.